Ça, c'est la tête qu'on tire quand on vient de se lever d'un rêve lucide. Si vous ne me connaissez pas encore, jusqu'ici, j'ai aidé les gens à réaliser leur premier rêve lucide. J'ai même réalisé un audiobook que vous pouvez trouver sur ma chaîne qui vous apprendra tous les fondamentaux pour faire des rêves lucides. Il y a un mois, j'ai eu une sorte de déclic. Cela fait maintenant 7 ans que je pratique les rêves lucides, et pourtant, c'est comme s'il manquait quelque chose, comme si je pouvais aller encore plus loin. J'ai donc décidé de m'entraîner, d'en parler autour de moi, de me renseigner scientifiquement sur le rêve lucide, et de réaliser une méthode qui puisse être beaucoup plus puissante que celle que j'utilisais jusqu'ici. Cette méthode, je l'ai essayée pour la première fois cette nuit, et les résultats étaient extraordinaires. J'ai donc une première annonce à vous faire, c'est que je suis en train de mettre au point une nouvelle technique qui puisse vous faire faire des rêves lucides beaucoup plus facilement, beaucoup plus souvent et avec une intensité beaucoup plus grande. Du coup, la mauvaise nouvelle, c'est que je ne peux pas vous la présenter maintenant. Elle est encore en construction et je suis justement en train de la tester avec d'autres personnes qui pratiquent le rêve lucide. Ah, et du coup, Pintouille, pourquoi tu fais cette vidéo? Eh bien, parce que justement, j'aimerais raconter mon... On dit Pintouille, hein. Pas à bagnale, pas à bagnalé, mais... Pintouille. Pour la petite anecdote, à la base ma chaîne s'appelait Pinty, mais il y avait déjà quelqu'un sur YouTube avec ce pseudo, donc j'avais aucune visibilité. C'est pour ça que j'ai changé de nom. D'ailleurs, de visibilité, j'en ai toujours pas. Quand j'ai commencé à faire des rêves lucides, j'étais tellement motivé à en faire que cette simple raison suffisait à les provoquer. Puis, je pratiquais régulièrement les techniques que j'avais vues sur internet, et sans m'en rendre compte vraiment, j'avais perdu le lien avec le rêve lucide. Ce piège, je vous en ai déjà parlé, mais j'en ai vraiment pris conscience il n'y a pas longtemps, et ce sont les tests de réalité. Les tests de réalité, on en entend parler tout le temps pour faire des rêves lucides, mais en fait, ils peuvent vraiment être contre-productifs. Dans ma toute première vidéo sur les rêves lucides, je vous mettais déjà en garde sur la façon de faire les tests de réalité, comme quoi on pouvait implanter le mauvais réflexe. En fait, je vous rappelle vite le principe, quand on fait un test de réalité, on est censé tester notre environnement, notre réalité, pour savoir si on rêve. Le problème avec ce test, c'est qu'on va ancrer un réflexe assez facilement. Et il est très simple d'ancrer le mauvais réflexe, c'est-à-dire de faire un test, de dire « je ne rêve pas » et de continuer à vaquer à nos occupations. On va reproduire exactement ce même schéma dans les rêves, c'est-à-dire qu'on va faire un test de réalité, on va se rendre compte qu'on rêve et on va faire quelque chose juste après. Et ça, ça va être le réflexe. Action, déclencheur, réaction. Et en fait, c'est un paradoxe parce que les tests de réalité, c'est pour beaucoup la base pour faire des rêves lucides, tout comme le journal des rêves, mais en réalité, si on ne les fait pas correctement, eh ben on tombe dans le piège dans lequel je suis tombé, c'est-à-dire, je fais un test de réalité, peu importe le résultat, je déclenche un réflexe, une action ensuite. Dans la vraie vie, cette action c'est quoi? C'est « je ne rêve pas, je retourne vaquer à mes occupations ». Dans un rêve, c'est quoi? « Je rêve, je retourne vaquer à mes occupations ». Et en fait, j'avais déclenché un réflexe, c'est « dès que je deviens lucide, je m'envole ». Et ce n'est que récemment que j'ai décidé de corriger cette erreur, en inventant une technique qui se passe complètement des tests de réalité. Cette technique, je suis en train de me l'approprier et de la tester. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que je l'ai testée pour la première fois cette nuit et que les résultats, ils étaient là. Si du coup tu te reconnais là-dedans et que toi aussi t'es tombé dans un piège similaire, tout ce que t'as à faire c'est simplement d'attendre les prochaines vidéos qui vont sortir sur le sujet, puisque pour l'instant, je n'ai pas encore assez de matière, assez de certitude pour te dire cette technique fonctionne, cette technique est la bonne, cette technique va t'aider à devenir plus lucide dans tes rêves. 30 janvier 2021, après avoir passé 2 semaines à lire des revues scientifiques et des tests sur les rêves lucides, je décide donc de tester ma nouvelle technique, en tout cas en partie. Je mets un réveil matin pendant la nuit, je fais un double réveil, je vais même marcher dehors pendant 15 minutes en faisant des tests de réalité, en remettant en doute mon environnement, en regardant des panneaux, voir s'ils ont changé, regarder mes mains, etc. Je reviens, je me couche. Malheureusement, je n'arrive pas à me rendormir. Le but était bien sûr de me rendormir le plus vite possible pour tomber dans un rêve, si possible en étant lucide au moment de tomber dans le rêve. Le problème, c'est que cela n'arrive pas. Je n'arrive pas à dormir pendant une heure et demie. Je reste à potasser dans ma tête. Puis, au bout d'un moment, je me retrouve exactement ici, au même endroit que dans mon rêve, je suis devenu lucide cette nuit. Je vais faire assez court sur le scénario, mais je rejoignais des potes qui étaient là en train de boire des coups, exactement là, hein, sous ce même toit, et il y avait un mec bizarre juste devant moi, moi je les rejoignais par ici, il y avait un mec bizarre juste devant moi, et du coup je le laisse passer devant, et moi mon but c'est d'aller rejoindre mes amis. Mais, en fait, je me trompe de porte, et j'entre par mégarde, avec le gars bizarre dans les chiottes publiques. Et le mec, ben, dans ma tête, dans mon inconscient, c'était un mec qui allait se piquer, qui était pas net, quoi. Et je me retrouve avec lui enfermé là-dedans. Je commence à paniquer. Hein. Et je touche le mur. Et en fait, en touchant le mur, je suis devenu lucide, en fait. Il n'y a pas eu de test de réalité. J'ai touché le mur, je me suis dit, c'est tellement réel
c'est tellement réel, mais c'est tellement impossible d'être là maintenant, je viens d'aller me coucher, et bim, je suis devenu lucide. Et là, premier réflexe, j'ai demandé au rêve de me changer d'endroit. Je lui ai crié, donne-moi plus de lucidité et sors-moi de là. Et en fait, dans un rêve lucide, t'es tellement... En fait, pas forcément au début, parce que tu doutes un peu au début quand tu en fais. Mais quand tu as une certaine expérience, tu sais que tout est possible, donc tu vas tellement donner de conviction dans ce que tu dis. Sors-moi de là, rêve lucide, donne-moi plus de lucidité. En fait, personne ne te voit. Tu peux pas te prendre un râteau, te prendre la honte ou quoi. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, tu donnes tout ce que tu as. Et en fait, plus tu vas croire en ce que tu penses, en ce que tu dis, plus il y a de chances que ça se réalise. Et donc, ça s'est réalisé. Je suis sorti à l'air libre, un peu comme maintenant, comme ici, où il fait un peu plus beau. Ça va les pigeons là? Vous me faites penser à ce dessin animé quand j'étais petit là, avec trois pigeons racailles là. Et c'est là que j'ai compris que ma technique fonctionnait, puisque je suis devenu lucide sans test de réalité, et ce, la première fois que je l'essaye. Vous savez, sur internet, il y a énormément de techniques pour provoquer des rêves lucides, mais assez peu de contenu quand on est directement dans le rêve lucide, et finalement, je me suis rendu compte que c'est vraiment la partie la plus importante. Et c'est ça que j'aimerais vraiment mettre au cœur de cette nouvelle technique ou méthode, on va dire, pour provoquer les rêves lucides. Maintenant, place au rêve. Je suis dans mon rêve, je deviens lucide, mais je suis dans un endroit très sombre, dans les toilettes publiques, c'est pas agréable. Donc je décide de crier dans mon rêve, donne-moi de la lumière. Et le rêve m'entend et me donne de la lumière. Et j'arrive au grand jour. Là, je décide non pas de m'envoler, non pas d'expérimenter des choses hors du commun incroyables, non. Je commence par une chose très simple. Je me calme, je respire, je regarde autour de moi, je touche les matériaux, voir comment ça se sent, etc. Et plus tard, au bout de quelques secondes, là je décide de m'envoler. Et en ayant pratiqué juste avant cette espèce d'introspection dans son rêve, en touchant les choses, etc., en fait la lucidité augmente. Je vous explique ça comme si c'était un truc révolutionnaire, mais elle s'appuie sur des trucs déjà existants. C'est juste que quand j'ai commencé à faire des rêves lucides, personne ne m'a guidé dans la bonne façon de le faire. Et donc aujourd'hui, je rattrape les pots cassés en essayant de vraiment, étape par étape, me dire voilà, qu'est-ce que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé pour faire ça correctement. Et cette nuit, j'ai eu la preuve que quand tu intègres vraiment les techniques des rêves lucides, pour faire des rêves lucides, en fait, ton rêve, il est au top, il est là, il dure longtemps. La lucidité est là tout le long. Tu peux faire ce que tu veux, vraiment, genre t'es sûr de pouvoir faire ce que tu veux. Et il n'y a pas de limite, il y a zéro limite. Tu sais que tu vas pas te réveiller, c'est clair, c'est net. Tout ce que tu veux faire, tu sais que tu vas pouvoir le faire. Les sensations sont extrêmement réalistes. Quand je dis extrêmement réaliste, c'est bête de dire ça en fait. C'est réaliste, c'est tout, tu peux pas être plus réaliste que la vraie vie, c'est juste, c'est copie conforme quoi. Et c'est un truc de malade. Et c'est ça que je vise vraiment ça en fait. Et maintenant, je vais me focaliser là-dessus, et que là-dessus. Et je vais vraiment parler que de ça, et comment atteindre le rêve lucide ultime. Voilà, merci de m'avoir écouté, bonsoir. Attendez, je vous ai pas encore expliqué le rêve. Du coup, bah je m'envole, et là je constate à quel point, waouh, je suis lucide, putain. C'est pas juste je m'envole et je suis, voilà, c'est cool, je me suis envolé. Non, là vraiment j'étais, oh, putain, oh, j'étais, mais c'est quoi ce putain? J'avais l'impression de redécouvrir le vol en rêve lucide. C'était tellement net, tellement beau, tellement parfait, la vitesse que je voulais, l'endroit que je voulais. Je pouvais vraiment voir, je pouvais même zoomer sur des trucs. C'était un truc de malade. Ensuite, j'ai décidé de me recalmer. Attention, pour pas trop partir en steak, pas essayer de me réveiller et tout, je repars gentiment, je me repose. Hop, je vais sur terre, je recommence à toucher des trucs, à parler gentiment aux gens, à faire des trucs basiques, de la vrille de tous les jours en fait, voilà, pour me recalmer, etc. Et là, je me renvole, et je crie à mon rêve de nouveau, mon rêve, j'aimerais un paysage magnifique, j'aimerais que tu m'offres une belle vue, quoi. Et là, bim, devant moi, qu'est-ce qui arrive? Une forêt, un soleil gigantesque, des arbres au loin, de la brume, c'était magnifique, et j'étais en train de voler comme ça. J'étais en train de voler et d'un coup je me dis putain mais j'aimerais me transformer en titan. Il n'y a pas longtemps j'ai commencé l'attaque des titans, c'est un dessin animé japonais que certains connaîtront déjà. Et pour ceux qui auront vu la série, j'avais la voix de Eren, donc un des personnages de la série. J'avais sa voix et dans le rêve j'étais en train de voler et je me dis maintenant, allez je me transforme en titan, je vais me transformer en titan, je vais me transformer en titan, je vais me transformer en titan. Et j'avais sa voix et je gueulais mais j'étais tellement sûr de moi. Et là, je me suis transformé en titan et je faisais 40-50 mètres de haut et je voyais mes jambes se construire à mesure comme ça et je commence à courir. Et là, je commence à attraper des humains donc, parce que dans l'attaque des titans, en fait, les titans, ils mangent les humains. Tu vois. Alors là, j'attrape les humains, etc. Et un truc super intéressant et super marrant, dans l'attaque des titans, en fait, les titans, ils mangent les humains, mais ils ne les
Il ne les mâche pas, il les avale directement. Et tu sais, dans mon rêve, tu sais, ah, je te tutoie, allez, on est entre potes. Et en fait, dans mon rêve, j'avais croqué un humain, et en fait, c'était, en fait, les dents de ce mec, les dents, étaient tellement dures que ça me faisait mal. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ah, mais c'est pour ça qu'ils avalent les titans, en fait. En fait, mon cerveau a essayé tout seul de trouver du sens à quelque chose qu'il avait vu et qu'il reproduisait dans le rêve. Truc de fou. Non, mais je vous dis, les possibilités en rêve lucide sont inimaginables. Après, je commence à courir comme ça en mode titan, mais que je vous dis, avec avec cette espèce d'euphorie de quelque chose que tu peux pas voir dans la vraie vie, j'étais vraiment euphorique, j'étais là, je criais quoi, j'étais tellement heureux. Et là, je me réveille, mais pas en sursaut, je me réveille tout gentiment, et je comprends que je suis en train de me réveiller, donc je commence déjà à essayer de me rappeler le rêve, etc. Et là, direct, je vais le noter avec un carnet cette fois. D'habitude, je note mes rêves avec un système d'audio parce que c'est plus facile. Mais là non, les rêves lucides, je les note à la main. Là, c'est bon. Et l'expérience. Et là, je me suis levé, je me suis dit, c'est bon. J'ai trouvé la réponse. Ça fait 7 ans que je fais des rêves lucides et j'avais pas trouvé la réponse. Et la réponse, c'est que, en fait, quand tu débutes, si t'as pas la bonne méthode, en fait, tu vas faire des rêves lucides. Ils seront excellents. D'ailleurs, je le sais puisque j'adore ça et j'en ai toujours parlé en bien. Mais en fait, tu passes à côté d'un truc encore plus fou, mais que tu comprends que plus tard, à force d'entraînement. Et moi, comme je m'étais un peu reposé sur mes lauriers du début, tellement mes résultats étaient incroyables, que bon, ben, finalement, j'avais oublié, même, je sais pas que j'avais oublié, c'est que je ne savais pas que ça existait, un niveau de lucidité encore plus grand, et je l'ai expérimenté cette nuit. Et voilà, vidéo YouTube. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que t'as kiffé cette vidéo. Si t'as des questions sur cette technique, si tu trouves que la vidéo n'est pas assez approfondie ou quoi, viens, on en discute sur Instagram, il n'y a pas de souci, je réponds à toutes vos questions. C'est cosy, on s'amuse bien, donc voilà, je te mets le nom du Instagram juste là. Ça fait tellement YouTuber. Je te mets le lien là, t'as un truc dans la description, va en commentaire, dis-moi ce que t'en penses. Je sais pas pourquoi, j'ai un espèce de blocage avec les YouTubers. Et bon, voilà, quoi, j'en suis un. On est tous un peu maintenant avec ces réseaux sociaux. Mais c'est une autre histoire! Allez, salut!